Quel était le sage qui conseillait de garder ses amis près de soi et ses ennemis plus près encore? Hippias, un lâche exilé d'Athènes il y a longtemps, est allé susurrer ses plans d'usurpateur à Darius, roi de Perse, et lui a promis son éternelle servitude s'il consentait à le soutenir. Le combat est déjà engagé, avec l'entrée de Délos dans la mêlée par sa révolte contre la ville perse de Sardes. La nouvelle s'est répandue d'un bout à l'autre de la Grèce. La plupart des cités-états ont accepté de faire leur différence et de présenter un front uni pour aider Délos et repousser les Perses. Seuls Sparte et Corinthe ont fait la sourde oreille à l'appel de notre sœur grecque. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la mission 4 avec l'histoire d'Athènes, ou à travers Athènes à travers les âges. Donc nous sommes à la mission 4, comme je dis, donc on se rapproche de la moitié de l'aventure. Nous avons 5 objectifs avec la révolte en Ionie, à savoir régner sur Sardes, régner sur Délos, soutien de 3 trirèmes, 960 habitants dans des propriétés au mieux, et 480 habitants dans des appartements au mieux. Donc ça devrait aller. Là, on va retourner à Athènes. Hop, donc on peut déjà fonder un nouveau monument. Ce que je vais faire tout de suite, je vais construire le refuge d'Hermès. Ce bâtiment va être. Ce sanctuaire de Dieu va être très important. Surtout pour la mission qui s'annonce, je vous expliquerai les détails. Je vais mettre une ville des artisans ici. Hop, je commence à construire. J'ai demandé du marbre à mon vassal Amphipolis. Et je lui demandais quelques lingots de bronze avec. Du coup, je vais commencer aussi à construire un nouveau quartier au nord pour avoir plus de main d'œuvre, parce qu'on va en avoir besoin pour le sanctuaire, mais aussi pour les deux trirèmes encore à soutenir, ce qui va être très vital. Hop. Bon, on a déjà une petite armée de base, c'est un début. Mais ça ne suffira pas clairement vu ce qui nous attend dans ce scénario. Pour ceux qui connaissent bien le jeu, ils savent de quoi je parle. Parce qu'il va y avoir des petites subtilités à surveiller après. Donc je vais mettre quoi? Jardin. Hop, jardin. Jardin. Et quelques belvédères pour agrémenter la zone résidentielle nouvellement fondée. Voilà. Ensuite derrière, je vais faire quoi? Je vais mettre pas mal de laiterie. Non, je vais en mettre 6 si elles veulent bien. Je vais mettre un grenier à côté. Ajouter une maintenance. Bon, déjà on a des objectifs de population, c'était facile en fait. On va pas se le cacher. Donc là je vais pouvoir fonder du marbre, super. Les 16 blocs de marbre vont nous servir pour le sanctuaire d'Hermès, comme je vous ai dit. Ce que je vais faire, je vais tout refuser sauf du bronze et les sculptures. Il n'y a que Amphipolis qui peut me donner du bronze pour l'instant. J'ai peut-être un autre plan en tête. Et qui c'est qui me vend du bois? Knossos, je vais lui en demander un peu. Yes. Du coup, on n'a pas d'armurerie. Mais. On a des ateliers de sculpture, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va essayer de les construire, je sais pas. Là, je peux pas les mettre. 16 blocs de marbre, du poisson, des dragues, encore du marbre. Des chevaux, de l'énorme masse. Je vais mettre deux ateliers de sculpture ensuite, je les détruirai plus tard. Donc là on est plutôt pas mal. C'est vrai que là ça... Ah, Délos a été prise par ça, ça a été prévisible, c'était bien. On va dire que c'était scripté quoi. Là je mets 6 chèvres supplémentaires. Voilà, parfait. Est-ce que je regarde un peu la manœuvre? Ah oui, il faut 50 ouvriers quand même. Hein. 50. Ah, le refuge d'Hermès c'est terminé, ça c'est excellent. Je vous en prie, permettez-moi de du coup, satisfaire une autre requête. Pourquoi j'ai construit le sanctuaire d'Hermès? Tout simplement pour qu'il satisfasse les requêtes des cités qu'on me demande. Donc là j'ai tout de suite sauvegardé. Bon. C'est pas la journée, on a
Vous avez vu la population qu'on nous demande? Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. On a eu des déclins militaires, donc ça faut le faire mieux. Je crois que c'est la clé du scénario, les déclins militaires. Où ça? À Delos et à Sparte, ok. On a une trigramme sur 3 de prêtre déjà. Là, les ateliers de sculpture, on les rase plus haut. Il faudra gagner 2 la main d'œuvre. Je vais essayer de construire des ateliers vinicoles, tiens. Du marron encore, du poisson, des drames, du blé. Bon. Là, il va falloir trouver une solution. Il faut commencer à créer un quartier industriel. Où je vais le créer, si c'est la question. Allez, je vais poursuivre l'huile d'olive. 7 armements, on les récupère. Il faut qu'on commence à préparer l'amélioration de notre quartier résidentiel actuel. Donc, ok. Déclin militaire à ça, c'est très bon. Il va me falloir quoi? Hop. 20. Raisin. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Alors, je voulais regarder qui c'est qui me vend du vin déjà. Enfin, du raisin. Vassal, marathon, marathon. Et je vais plutôt faire du commerce avec. Alors, Érythrée, c'est un poste de commerce. Et je vais acheter du raisin. Ensuite, je vais lui commander des raisins. Et là, ça va être pas mal. On a mis 600 personnes. Est-ce que je peux commencer? Ok, donc là-bas, on a ce qu'il faut. Bon, pour combien de temps, ça, c'est une autre question. 8, c'est parti. Là, je vais... Non. Ah, attends, j'ai une idée. Est-ce qu'Hermès serait d'accord pour nous aider pour le coup? Parce que c'est Coral quand même. Hein. Ah, il m'a répondu à mon dernier appel. Bon. Enfin, tu sais quoi, on va faire avec, hein, en attendant. On va perdre un peu d'huile d'olive, mais c'est pas grave. Hop, on va rajouter 5 ici. 5 là. De l'eau en masse. Et un hôpital. Bon, on va encore avoir des ouvriers en masse, mais bon. On n'a pas vraiment le choix. Ne peut pas vous aider maintenant, chouette. Ouais, on va l'aider pour ça. On a du poisson. Des écheveaux de laine. Et on va rajouter aussi un gymnase pour la culture. Là c'est bien, on accumule les armements et tout. Bon, il va falloir en garder pour eux d'autres. Bon, je vais commencer à préparer un marchand de vin tout de suite. On peut en acheter, ouais. Cette cité est comme Ajax, elle surpasse toutes les autres. Alors. J'ai toutes les activités culturelles, c'est ça le problème. Bon. Je vais mettre quand même un autre collège là. Et je vais mettre une autre école de théâtre. Moi j'ai tout ce qu'il faut pourtant, c'est ça que je comprends pas. Bon. Je regarde un petit peu le temps aussi, on sait jamais. Ok, bon ça va, encore. Donc, au pire des 15 minutes, je fais une petite ellipse. Hop, j'en rajoute 2 maisons supplémentaires ici. C'est peut-être le stade en fait qui me manque. Par là, qu'est-ce qu'on a? On a des masures, ok. Mais, qui c'est qui nous veut vendre de la laine déjà? Donc, Thermopyles, on commerce déjà avec eux. C'était pas Corinthe? Non. Sparte, c'est pas eux. C'est Corinthe, en fait. Est-ce qu'on a un truc avec eux? Non. Donc, ce qu'on va faire, on va placer tout de suite un poste de commerce ici, couplé à un entrepôt. Hop, on va le spécialiser dans la laine. Et on va acheter de la laine de Corinthe.
Et voilà. Bon. Donc tu arrives à nous aller. On recule. Qu'est-ce qui se passe? Cacher du voisinage. Et du coup, tu vas remonter ça. Hop là. Pourquoi ils veulent pas évoluer? Mais c'est rien que ça en fait. Ils me disent ouais, on peut donner du vin, mais bon, c'est pas que je veux pas, mais vous voyez un peu le problème quoi. Il y a qu'un bouclier. Qui c'est qui a une grosse puissance militaire parmi mes alliés? Amphipolis, ouais. Et encore, je suis même pas sûr quoi que ça suffise. 12 ouvriers, ok. Plus de l'énergie. Ah, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Mais bon, est-ce que je tenterai pas la conquête de avec qui? Je pense qu'avec Marathon, ça devrait suffire. Ou Thermopylae. Je vais aller envahir Montpellion. C'est pas une cible, vous me direz. Mais ça nous permet d'obtenir plus facilement du bronze, des sculptures et des armements. Ça peut être un choix justifiable avant de partir en guerre. Ils sont... J'ai envoyé toutes mes troupes, mais bon, maintenant on verra ce que ça donne. Donc là, les ateliers vinicoles ont bien tourné. Allez, là, on y va. On y croit. Si on fait tomber mon payon, ce serait cool. Ça nous ferait un allié potentiel en plus à long terme. Bon. Et puis qu'à attendre des nouvelles. Ok, invasion manquée, super. Donc apparemment, je sais pas, dans ce scénario, j'ai l'impression que les villes elles sont complètement fumées. Pour aller les prendre, c'est assez compliqué, je crois. Bon. Ah oui, c'est vrai, on peut encore améliorer les maisons. Je vais mettre un collège ici. Et deux podiums. On a toujours les armements. Et là, on va encore gagner pas mal de population. On prépare l'avenir de la cité. Je suis un peu dépité. Je sais pas ce qu'il faut. Combien il faut. On me dit, ouais, on peut améliorer avec le vin. Pourtant, j'ai toutes les activités culturelles disponibles. École de théâtre, collège, etc. Mais on me dit que ça doit être encore mieux. Pour moi, il manque le. Qu'est-ce qu'il a terminé? Oh, ça pue le scénario. Je vais lui faire un don de. Un peu de drague, allez. Donc ça va le calmer. Là, j'ai quand même quoi. Même Olympie, je suis sûr, j'envoie Olympie, ça suffira même pas. Faire chaud d'un nouveau quartier ou quoi, c'est ça que je me demande. Il reste du chômage, ouais. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Il se bouge enfin le derrière pour nous aider, ça c'est cool. Donc là on va construire la deuxième trirème, mais il nous faut plus de bottes venant de Knossos, ça c'est obligatoire. Ça me saoule, j'arrive pas à les faire évoluer comme je suis d'abord, je suis bloqué en fait. Ah, les centaures qui arrivent. Ça c'est pas bon du tout. Activité culturelle, activité culturelle. J'ai plus beaucoup d'huile d'olive en plus de ça. Thermopile qui se révolte, super. Je vais payer 2000 drags, mais bon, ça me fait bien chier. Ouais, je vais en relais en Amphipolis, c'est lui. Amphipolis, c'est la plus forte de mes cités, donc s'ils y arrivent pas, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Ok.
Du coup, bon, on va essayer. Hein, mais... Là, on va fonder la deuxième trirème. Les ateliers unicoles vont tourner. Arrêtez d'acheter du vin pour l'instant, je peux pas compris. Normalement, j'en vends du vin à quelqu'un, mais qui, bah, à part le manque payant, je vois pas. Et là, je ne vois pas aller assiéger avec ce qui me reste. Ça, je ne vois pas les prendre des losses, quoi. Mon payant est tombé, excellente nouvelle. Bon, c'était pas l'objectif, mais ça va nous aider un peu. Du coup, je vais vous laisser là. Donc, je construis les deux autres trirèmes qu'il y a, l'autre trirème, et je vais essayer de drainer sur les autres cités. Et je vous retrouve à votre tour. J'ai réussi à faire tomber Delos, qui est notre vassal. Maintenant, il nous reste Sard, qui va être plus difficile à prendre. À mon avis, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois. Et là, on a un autre problème, c'est que là-bas, comme Corinth nous a lâché, bah, on n'a plus d'approvisionnement de même de leur part. Donc là, il va falloir trouver une solution. Cette cité est comme Ajax, elle surpasse toutes les autres. Et mon pito est en colère aussi, logique. Là, tout le monde nous en veut, là, ça y est. Sard, invasion manquée. On les a affaiblis, mais est-ce que ça suffira pour sûr? Là, je vais peut-être faire des dons en marbre à Delos pour essayer de gagner un peu de temps. On n'a plus d'armement de la part d'Olympie. Nos sauces qui se révoltent, là c'est super. Quoi, il reste qu'un repli, tu rigoles? Non, tu peux pas me dire qu'il reste qu'un repli quand même. Non, ça va, j'ai eu peur. Avec un Olympie, on va faire un drone de marbre aussi. Nos alliés soient, nos vassaux soient satisfaits. Le mont Plon qui se révolte aussi, bah c'est la fête, hein, clairement. Sard qui va nous être hostile. Même s'ils sont affaiblis, néanmoins. Ça, c'est à noter. Ah, on n'a plus de compagnie d'hoplites. Ah bon. Mais bon. Je vais refaire des armements. Les... Oh, j'ai plus de maison, ils ont trouvé. Ouais, pourquoi? Je vais renvoyer cette trirème chez nous en attendant. Ça nous fera gagner un peu de population en plus. Sard qui déclenche son invasion, fallait s'y attendre. Est-ce que je retenterai pas l'attaque là? Ouais, avec 12 hoplites, ça va être compliqué. Allez, Perse. Ouais, vaut mieux payer 5700 rames, ils sont très forts les Perses. Ils ont 4 boucliers encore, ça va être. Pour aller chercher. On pourrait peut-être avoir un support d'Elos aussi, tiens. Je pense qu'il va falloir s'y reprendre plusieurs fois pour récupérer la ville. On a des dons de drague de leur part, ça c'est cool. Parce que je crois que je crée un troisième quartier résidentiel, j'ai pas le choix là. Vu le nombre de. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Hermès, franchement, sur cette partie, sur ce scénario, il nous sauve bien. Non, on va pas se le cacher. Mon pédon, il a cité de se révolter. Ok, ok. Donc là, on accumule du bronze, ça va être pas mal. Aussi bien pour les sculptures, pour d'autres sanctuaires potentiels dans le futur, que pour... Ah ouais, tu vois, il va remonter, ça va être bonjour, au revoir, quoi. Hop, parfait. Là, il faut vite s'emparer de ça, et terminer le scénario. Il est vraiment compliqué, bon. Je me suis pris à deux fois pour reprendre la cité de Delos, mais ça a été plutôt pas mal. Mon conseil est de suivre. Mariez-vous. Si vous trouvez non, une plus rien encore. Faut que je vous dise d'arrêter la vous ferez un excellent philosophe. Bon. C'est pas mal, au moins on a déjà ça.
Je vais peut-être construire une nouvelle agora, enfin une nouvelle épicière sur le lien à gauche. Donc là, on récupère tous les biens qu'on nous donne. Ok, donc là, hop, on va relier les deux là. Je vais tout de suite faire une... Hop. Pour gagner un peu de temps. Désarmement encore. Merci Olympique pour ton coopération militaire. C'est quoi de ce merdier encore? Ah bah ouais, si on a plus d'huile d'olive. Je comprends pourquoi. On va recommander déjà. Et il faudrait faire un poste de commerce vers Olympie. On en a besoin. Achetons de l'huile d'olive en masse. Et tout le monde sera content. Au sanctuaire, là, on n'en a plus besoin. On va gagner des olives comme ça. Chouette, 8 cruches, c'est toujours ça de prix. Alors là, il faudrait peut-être que je remette aussi la trail ramener en marche. Mais... Ok, donc là on a de l'eau. Je vais mettre quoi là? Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. 5 maisons supplémentaires. 5 là. Et je vais rajouter un gymnase. Voilà. Ce tout le monde aura ce dont il a besoin. Alors le bois de Knossos, la troisième trirème. Ah punaise, Delos ça refait sa puissance, ça c'est cool. Si on, je pense qu'avec nos trois compagnies d'Opic, nos trois trirèmes et la support Delos, ça devrait tomber sur le papier. J'attends juste que le bois arrive et tout le monde sera content. Ah, l'hygiène est plus parfait, tout ça. Ah ouais. On va remettre un hôpital là-bas. Hein. Faut pas déconner. Belvédère. Belvédère en masse. Et voilà. On va prendre au maximum de nos capacités. Ça nous fait 3 quartiers quand même, mais c'est pas, ça doit être suffisant. La troisième trirème est en cours de construction. Alors, Delos, on va refaire un don de marbre. Je me demande si plus le niveau de loyauté influe pas sur la quantité de troupes envoyées chantes. Je me suis toujours posé la question. Voilà, c'est le temps des tribus. Et je vais peut-être fabriquer... je peux pas fabriquer d'armure, ok. Bon. Je pense avec tout ce qu'on a. Hop. Ah, c'est Olympique qui va y aller. J'aurais aimé que ce soit Delos. Je continue à refaire des dons de marbre. Peut-être que ça changera avec le temps. Parce que là, je suis à 6 maisons, 6 x 4, 24. Sachant que, attends, une compagnie complète. Alors là, c'est 4, 4. Alors, t'es sûr que tu veux pas venir? Ah, Delos, super. Enrôlement général, allez. Là, je pense qu'il n'y aura pas meilleure occasion. J'enregistre. S'ils me disent que ça suffit pas, je sais, je vois plus, je ne sais pas combien d'enfants, quoi. Bon, on va accepter le vin aussi, à moitié ici. On a 24 amphores, on en va mettre 16 amphores déjà. Et si on vend un peu de notre vin, mon pélonique, hein. On peut en savoir plus sur quelqu'un. On va lui vendre 12 amphores déjà, c'est pas mal. En une année de conversation. Hop là. On va racheter du raisin. Je savais qu'elle était coriace, ça n'est pas à ce point là non plus. Bon, ils sont encore affaiblis d'un autre côté, c'est pas plus mal. Donc là on va perdre beaucoup d'oplites, j'ai l'impression. On en perd quand même 2 maisons, je vais racheter aussi des armements. Drag qui nous soutient financièrement, ça c'est cool.
Hop là. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi, les docks de Knossos aussi, s'il vous plaît. Ah bah oui, qui va être aussi, tu crois quoi? Tu crois qu'il va nous accueillir à faire le flamingo pour Putain, je n'aime pas cette mission, elle est vraiment compliquée à gérer quoi. Alors c'est Doc de Knossos. Vite. Voilà. On va acheter du bois tout de suite. Pour avoir de la réserve. On a du bronze en réserve, on le garde. Putain, ils ont quasiment plus rien quoi. On réessaye. Hein. Amphipolis peut venir avec nous. Allez. Il faut que la troisième soit la bonne. Les Perses sont très nombreux, c'est logique. Donc on prépare le restockage du bois pour derrière et aussi pour le prochain sanctuaire. Je vais re-sauvegarder, on sait jamais. Là, je pourrais pas faire mieux sur ce scénario, de toute façon, notre économie est plutôt stable. Les frontières grecques sont délivrées de la menace perse pour l'instant. Délos est redevenu une cité grecque, et vous vous étiez même emparé de Sardes, mais Darius n'entendait pas laisser l'une de ses villes principales entre vos mains. Aussi vous l'a-t-il reprise. Vos actions l'ont tellement enragé qu'il a enjoint à un serviteur sous peine de mort de prononcer à trois reprises la phrase « Maître, souviens-toi des Athéniens ». Chaque fois que le roi se dispose à manger. Vous reverrez Darius sans aucun doute. L'oracle vous a conseillé de façon plutôt énigmatique de vous fier à un rempart en bois. Repousser les Perses a réuni la Grèce, mais Sparte et Corinthe maintiennent leur distance et se sont même déclarés les rivales d'Athènes. Ok, donc on a terminé pour le moment les guerres médiques, la première guerre médique. Donc ça sent qu'on va devoir affronter Sparte et Corinthe, donc certainement pour la guerre du Péloponnèse. Là je pense que la prochaine mission, il me semble qu'on va fonder la colonie de l'Orient, donc on avait fondé Amphipolis la dernière fois, je pense que c'est ça dans mes souvenirs, c'est la cinquième. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je suis désolé qu'il était un petit peu long parce qu'il est particulièrement délicat à gérer au niveau des opportunités de combat. On a gagné en bonus un vassal comme le Montpellion qui va nous fournir du bronze et des armements en échange de notre côté. Et voilà. Donc du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité. Et si vous soutenez la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.